vérité de M. Jean-Marc Cabon. Sur le prétendu stagiaire et juteur qui serait au sommet de l'État. Venu à la tête du parti dans les conditions que tout le monde connaît. Je reviendrai brièvement. Jean-Marc Cabon n'avait assumé aucune fonction publique dans sa vie. Il s'est tout de suite retrouvé vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été seul à la sélection, ou bien il a été seul à sélectionner les 90% des collaborateurs actuels du chef de l'État et la totalité des membres du parti au gouvernement. Yemoko. Allez qualifier des stagiaires, soit qui les avait sélectionnés à dessein pour nuire au mandat de l'UDPS et de son Excellence Monsieur le Président de la République à la tête du pays. Soit il était lui-même d'une incompétence caractérisée, qui ne les avait pas su stagiaires. Lorsque Sierre Cabon parle des juissaires, il faut qu'il précise s'il ne s'adresse pas à lui-même. À une année du mandat à l'Assemblée nationale, il construit une école d'une valeur de 350 000 dollars, soit équivalent de 38 dollars américains mensuels. Alors que deux ans avant, M. Cabon n'avait pas un trait de vie que nous avons vécu ces derniers jours. Vraiment. Sur la gestion de la guerre, à cette période où le pays fait face à une agression rwandaise,